En Autriche, Dietmar Mascholt, qui s'était spécialisé dans la vente de Stradivarius, a été condamné à 6 ans de prison. L'homme âgé de 62 ans, qui vivait dans un château, a été jugé pour avoir détourné de l'argent de ses clients et pour avoir caché des instruments de musique de valeur.